Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Portrait. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur le plateau de TV Ruiz Chantal. Vous l'avez déjà vue tout l'été sur TF1 notamment, puisqu'elle vous a fait partager quelques aventures à la télévision. Donc vous avez fait Chantal Koh-Lanta. C'est exact, oui. Tout l'été, j'ai passé mes vendredis soirs dans le salon des Français et fière d'avoir passé mes soirées chez les Bretons. Voilà. Très bien. Alors, on va revenir sur votre parcours puisqu'il est assez atypique. Vous avez été sacrée 3 fois championne du monde de kickboxing. Vous avez été aussi mannequin. Vous avez été dans le stylisme également. Qu'est-ce que vous retenez de tout votre parcours atypique ? Alors de mon parcours, c'est un parcours assez compliqué. Comme vous avez dit, c'était un parcours riche, un CV riche, oui, un petit peu trop d'ailleurs, parce que bon, il faut vraiment garder les trois principaux. Voilà, le sport, là où j'ai commencé, le mannequinat et le stylisme de mode sportive au début et ensuite vers la mode. Voilà. Et le sport, ça a été tout le commencement. Mes parents étaient sportifs. J'ai commencé aussi avec le basket, avec l'athlétisme, le foot. Et j'ai trouvé ma voie avec le kickboxing vraiment par hasard en faisant un défilé de mode. Et je suis tombée amoureuse tout de suite. Mais ça entraîne énormément de sacrifices, de douleurs, de mental. Et qui n'a pas le mental pour faire ce sport, après, a des difficultés vraiment pour passer dans la catégorie professionnelle, quoi. Alors, aujourd'hui, j'imagine que d'avoir fait Koh-Lanta, alors d'avoir fait autant de sport, ça vous a permis d'excéder, d'être brillante sur certaines épreuves sportives. Le mental a dû également beaucoup vous aider sur Koh-Lanta ? À Koh-Lanta, je pense que 90% c'est le mental. Parce que même si on est fatigué, on a faim, ou on est énervé, ou on tient plus debout, parce qu'on ne dort pas, enfin de mon côté, moi je ne dormais pas. Et le mental, ça fait tout. Je crois que quand on dit on peut, on veut, on peut. On peut arriver à faire vraiment ce que l'on... Surtout en moment de résistance, il faut vider le cerveau. Et puis tout ce qu'on a, pu acquérir dans la vie sportive, et bien on le met sur le plateau à ce moment-là, quoi. D'accord. Et alors, sur Koh-Lanta, quel est le meilleur souvenir que vous gardez finalement de tout ce parcours ? Meilleur souvenir, waouh, il y a tellement, c'est tellement différent chaque jour. Le meilleur souvenir, je pense que c'est la victoire. Quand on dit, c'est moi qui ai gagné. J'ai pas été faire Koh-Lanta de toute façon pour perdre. Je suis rentrée avec la détermination d'aller le plus loin possible et aller sur les poteaux. Je me dis, à part s'il y a des stratégies pour me faire sortir, j'y arriverai. Donc, le meilleur souvenir, c'est quand vraiment j'ai vu Mélissa tomber. Là, j'ai levé les bras, j'ai dit « ça y est, j'ai réussi ». 2h40 sur les poteaux, c'est pas rien, parce qu'en plus, donc, vous l'aviez évoqué, il y avait des conditions de tempête, les poteaux bougeaient, il y avait le vent. Là aussi, c'est le mental qui fait tenir. Là, quand on est arrivé, on a vu le temps. En plus, on a passé 48 heures sous la pluie. On n'a jamais réussi à se sécher. On était vraiment, vraiment... On avait froid. On était frigorifié. On tenait même plus debout. En plus, on tremblait. Quand on était sur les poteaux, on tremblait. Alors, on avait le vent qui arrivait d'un côté, la tempête, la pluie qui continuait à nous mouiller, les vagues qui cognaient, mais très fort. Ça faisait bouger le poteau. Là, il fallait vraiment... On avait l'impression d'être sur un rodéo, un taureau complètement déchaîné. Et il fallait trouver l'équilibre juste. Au départ, on ne pense pas à la douleur, le temps qu'il faut tenir, parce que tout ce qui nous importait, c'était trouver le rythme. Et après, on se concentre, on arrive à trouver un peu ses marques. Et puis, moi, je comptais. Je comptais dans ma tête. J'étais arrivée à presque 8000, je comptais. De toute façon, il faut bien passer le temps. Et en fait, les 2h40 sont passées beaucoup plus vite que je le pensais. Ah oui, quand même. Et alors, vous avez gagné donc cette épreuve sportive qui est finalement la dernière. Par contre, vous n'avez pas gagné Koh-Lanta. Est-ce que cette défaite, c'est comparable à un échec quand on est sur le ring, par exemple ? Alors, je réponds en deux fois. C'est-à-dire que j'ai gagné de toute façon l'aventure. Ça, on ne l'enlèvera pas. J'ai gagné les deux plus importantes, c'est-à-dire l'orientation en battant le record féminin et troisième temps de tous les 15 ans de Koh-Lanta. Ensuite, les poteaux que j'ai fait, je pense, avec une très grande concentration. Donc, j'ai gagné. Voilà, j'ai pas gagné l'argent, mais ça c'est rien. J'ai toujours dit, ce n'est qu'une question d'argent, qu'est-ce qu'on s'en fiche. De toute façon, le jeu, j'ai eu mon aventure, j'ai fait mon aventure. J'ai pu prouver à moi-même ce que je pouvais faire. Et puis le reste, ça compte pas, c'est pas grave. Ils ont voulu voter comme ça, après tout c'est qu'un jeu, ça reste un jeu, et ça doit rester qu'un jeu. Ensuite, comparable à une victoire sur le ring, pas du tout, parce que c'est...
Déjà, on n'a pas de public qui va participer au vote. On n'a pas de rancœur à avoir parce qu'on est tellement amical sur un ring. Il y a tellement de respect, il y a tellement de fatigue, il y a tellement de choses qu'on a derrière un combat, des mois, des années de préparation, qu'il y a la joie. On se dit que ces minutes qui vont s'écouler sur le ring, c'est toute une carrière derrière. Donc, c'est quelque chose qu'on a tissé comme une toile d'araignée. On a tissé petit à petit au fil des années. Et c'est pas du tout comparable. C'est physique, c'est personnel, c'est un sport. Alors que l'autre, c'est un jeu. Le jeu, on peut en sortir quand on veut. On n'a qu'à demander. Alors, Chantal, est-ce que le programme que vous avez vu ensuite, ce que nous, on a vu, est-ce que c'est semblable à ce que vous avez vécu sur place? Est-ce que ça vous représente? C'est vraiment votre portrait? Moi, franchement, j'ai regardé 4 épisodes et je ne me suis pas du tout reconnue. Je me suis vue comme une sorcière, une mégère. Enfin, ça, c'est pas moi. Je ne suis pas du tout comme ça et je n'ai pas du tout aimé. Et même à la finale, quand j'ai vu comment ils m'ont maquillée, j'étais horrifiée. J'avais vraiment l'impression qu'ils voulaient que je sois la sorcière de cette année, quoi. Je ne me suis pas du tout aimée. Donc, pas une bonne retranscription de vous et de ce qui s'est passé sur place, finalement? Ben, disons que c'est l'image n'était pas du tout comme je l'attendais, même si de toute façon j'ai vécu une bonne aventure, je me suis bien amusée, j'ai eu une bonne expérience, mais visuellement je ne me suis pas du tout aimée. Parce que vous avez été un peu une des personnalités phares de cette émission. Il y a eu quelques gros clashs durant cette période qui a été suivi par de nombreuses critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Comment vous avez vécu ça? Par les réseaux sociaux, oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de rancœur, il y avait beaucoup de choses négatives. C'est vrai que cette année, j'aurais été le personnage plus détesté de cette édition. Mais c'est pas grave, ça fait partie aussi du jeu. Et moi, j'ai tout de suite débranché mes réseaux sociaux. J'ai enlevé ce qui ne me plaisait pas, j'ai déconnecté mes comptes. Et comme ça, j'ai dit, hop, on ne me casse pas les pieds parce que je n'ai pas fait Koh-Lanta pour qu'on m'agresse, pour qu'on m'embête. Quoi. Vous avez déclaré dans Ouest France... avoir regretté d'avoir fait Koh-Lanta, vous regrettez vraiment? C'est vraiment un regret ou c'est... Non, j'étais pratiquement à regretter d'avoir fait Koh-Lanta, de voir comment l'imbécilité humaine des fois peut pousser le bouchon, quoi, parce que les réseaux sociaux, malheureusement, ont un côté négatif, ça va faire la propagande de l'imbécilité. On rentre chez les personnes, dans leur intimité, et puis ils se déchaînent. Il faudrait mieux mettre des gants et se déchaîner sur un sac que de se déchaîner avec des paroles vraiment minables, quoi. Mais bon, on sait à quoi on s'attend quand on est exposé. Aujourd'hui, après Koh-Lanta, après la célébrité que ça amène finalement, quels sont vos projets? Comment vous voyez l'avenir Célébrité, bon, il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est éphémère, que c'est un jeu, que c'est pas un jeu pour chercher. C'est vraiment, il ne faut pas chercher la notoriété, parce que qui cherche la notoriété, seulement ça, va pas au poteau, parce qu'il passe à côté de quelque chose. Mais puis, de toute façon, en célébrité, non, je dirais un petit peu de notoriété, mais ça, c'est vraiment, ça ne dure pas longtemps. C'est fini avec l'été, c'est fini avec le 24 juillet. On est passé à autre chose, il faut passer à autre chose. C'est ça qui vient d'ailleurs, parce qu'on peut quand même penser passer à autre chose, mais est-ce que ça emmène pour le futur? Je ne sais pas, parce que j'avais un projet qui est tombé à l'eau cet après-midi, et donc je vais essayer de me concentrer sur quelque chose que j'aime beaucoup, tout ce qui est artistique, la mode, si je peux. Je ne sais pas encore, donc je ne sais pas encore ce que je ferai quand je serai grande. Où vous avez le choix, parce que vous m'avez dit tout à l'heure en off que vous parliez donc 5 langues, ça vous laisse du coup le choix de la destination? Oui, ça laisse le choix de la destination, mais après, bon, je pense que je vais laisser s'écouler encore 1 ou 2 mois et penser sérieusement à où aller, parce que avec mon projet, j'étais psychologiquement restée sur la Bretagne, mon petit coin, le Morbihan, et essayer de faire quelque chose. Malheureusement, dans la mode, il n'y a pas grand-chose, encore moins prêt-à-porter ou la haute couture. J'ai travaillé ces 2 dernières années dans des collections pour des clients italiens online, donc je leur préparais tout et puis je leur envoyais le paquet clé en main. Et donc, moi, j'aimerais bien continuer sur la mode. Après, on verra. Comme j'ai dit, on n'a qu'une vie. Des fois, changer du tout au tout,
tourner la page, faire quelque chose d'autre, ça je sais le faire, j'ai fait tellement de choses dans ma vie. Tout ce qui est kickboxing, je suis à la retraite de toute façon, à 46 ans, on tourne la page aussi. Oui. Ma blessure au doigt ne me permet plus d'endosser les dents, d'endosser les gants, donc on va passer aussi à autre chose. On va voir, on va peut-être essayer de faire quelque chose de tout nouveau. D'accord, bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, de faire une nouvelle très belle aventure, puisque pour l'instant, toutes les aventures que vous avez faites se sont très bien finies. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir été avec nous. C'était un agréable moment. Et puis, pour tous les auditeurs de TV Ruiz, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Merci.